Bonjour tout le monde. Récap du mardi. Concernant ma planification, évidemment, quand on a eu la session, l'Open US, tout de suite en partant, moi, j'avais noté les chevaux. Je m'attendais quand même à un retour ici qui a été un échec sur la zone ici. Ça m'a permis quand même de rentrer. Et il y a quand même eu un rebond, mais sans plus, et c'est évidemment, là, après, on a eu la news et ça a fortement décalé. Malgré tout, on avait les 38 FIBO qui permettaient de faire une belle trade. Je sais qu'un collègue à moi, c'est ce qu'il a fait, pas moi, mais n'empêche, il faut toujours regarder ça, tu sais, c'est un réflexe. Du moment où on a deux points, qu'on a une certaine conviction des points, évidemment, on fait pas ça... à l'aveugle. On avait bien une réaction aussi baissière en Open US. On avait bien notre point bas de la journée et les 38 permettaient quand même de faire une trade. Du coup, quand j'ai vu le mouvement baissier, pas de souci, je me suis adapté. Donc, ce que j'ai partagé à tous, ben, c'était tout simplement de faire le cheminement inverse. Prendre encore une fois nos FIBO. Et on voyait bien quand même 5, il y avait deux zones importantes. Je vais effacer celle-ci, parce qu'on s'en branle pour le moment. Il y avait un overlap ici. Évidemment, il y avait les 50 FIBO. Je vais effacer encore, là, mais juste pour permettre de bien comprendre et bien voir. On avait une close ici à M5, ce que je rappelle souvent. Et le marché est venu chercher la close. Légèrement au-dessus des 50 FIBO. Donc dans un premier temps, le marché, voilà, il a préservé... les 50% de toute façon du mouvement. Et dans un deuxième temps, il y avait notre bud range ici. On n'appelle pas ça un range, mais notre bas ici, les 38 FIBO antérieurs. Par rapport au mouvement baissier, c'était les 60% de retracement. Encore une fois, ça permettait de faire des trades. On pouvait même rentrer 2-3 fois si le désir était. Il y avait, à chaque fois, il y avait un signal en sentique impeccable. Encore une fois, là il faut aller sur une unité de temps plus longue et ça c'était mon plan pour toute la semaine. Si on regardait bien notre H4, on voit bien que pour le moment en H4, vous vous rappelez de l'ancien top de vendredi dernier, mais je vous ai dit que c'était à porter attention en tout temps et voilà, le marché est décalé et il a été fortement acheté à ce niveau là. Encore une fois, on voit bien qu'il y a une petite subtilité ici. Mais on voit bien qu'on a des clauses sur futur, j'en reparlerai. Mais tant qu'ici, on n'a pas une clause en H4, on ne peut pas dire qu'on va avoir un mouvement baissier. Donc ici, c'est à surveiller. On voit bien qu'on a un niveau important. Il a été décalé encore une fois ici, on voit les mèches. Mais à chaque fois, la clause se fait légèrement sur la zone ici de pivot. Donc pour moi, c'est une zone de pivot. Évidemment, il faut vérifier les futurs parce que sur certains actifs, c'est n'importe quoi. Hein. Je parle des CFD. Là. Donc, il faut vraiment vérifier les futurs. Vérifier vos clauses en H4. Mais pour le reste, que ce soit l'horaire, le M15 et tout, les CFD, c'est tout à fait correct. Mais cette petite subtilité-là, il faut vraiment porter attention. Parce que ce serait la même situation un peu qu'on est arrivé, vous rappelez, la semaine dernière. On avait vraiment ici une zone de pivot ici. Ça a pris un certain temps quand même avant d'avoir notre close là, en breakout baissier. Et finalement, mais c'est arrivé et on voit bien le mouvement qui s'ensuit. Je sais pas si vous entendez mon chat, mais il m'énerve, mais je recommencerai pas la vidéo à cause de mon chat. Oui, j'étais en mode partage, donc on s'en branle. Donc, à titre de planification ultérieure, moi c'est ça, je vérifie s'ils vont déjà dans un premier temps monter d'une autre marche. Donc là on a monté d'une marche, évidemment on a descendu un peu plus, j'en reviendrai pas ici, mais c'était une zone journalière et là on a monté vraiment d'un cran, d'un palier, et là on a été chercher celui-ci aujourd'hui. Évidemment, peut-être qu'on pourrait revenir tranquillement encore une dernière fois, ça je le dis pas, donc toujours porter une attention quand même. Si on descend tranquillement H4, peut-être que là il va le préserver pour une ultime fois. Sinon, mais pour plus tard, ça reste une planification H4, mais pour plus tard, si jamais on revient ici, ce serait un niveau, mais évidemment, ça me prend une confirmation. Je vois bien un scénario du genre
Comme ça, une poursuite au CIR, dans le cas échéant, aller chercher ici les 27 000, refuer pour après préserver ici. Ça, c'est un scénario, hein. J'en sais rien, hein. Je peux pas savoir à l'avance. Donc, évidemment, ici, on a une zone d'intérêt en H4. Toujours garder un œil dessus. Bon, concernant ma planification, mais moi, je suis toujours en position vendeuse ici, sur les 61 FIBO. J'attends, on verra. J'ai mon achat qui était vraiment important. Et je vais attendre pour la suite, quoi. Je peux pas en savoir plus. Il resterait les 74% du mouvement ici. Et du moment, de toute façon, qu'on a une clause, déjà qu'on close ici au-dessus des 50 FIBO, c'est pas top pour les vendeurs. Et à titre de rappel, on a souvent le temps, et quand on a un signal, peu importe lequel, même s'il était vraiment drastique, évidemment, 1000 points, là, mais vous avez vu, on a quand même revenu. Et on avait le temps amplement de reprendre position de cas échéant. Et sur des zones clés, sur des zones identifiées. Vous voyez ici, c'était notre ancien bas en session cash qui a transpercé à la baisse. On a fait un pullback dessus. Donc si c'était un support ici, ça se transforme comment? C'est même pas un quiz, hein? Ça se transforme en une résistance. Je sais pas c'est quoi vous trouvez de compliqué nécessairement là-dedans, mais vous voyez que c'est des zones clés, là. T'sais? Ça s'est passé en séance cash US, hein? À l'open. Après la première heure, encore une fois, on avait une analyse. Donc c'est important quand même après la première heure. Ok, on a un signal baissier. Ok, c'est quoi mes niveaux que je peux prendre? Je trace mes fibos, je m'ajuste, je m'adapte. Demain, c'est évidemment un autre jour. Donc idéalement, il faut rester en dessous des 61 fibos. On verra ce qui se passera. Notez votre point bas du jour. Notez-le, prenez-le en note parce que parfois il est difficile à voir sur les CFD, là. Donc prenez-la en note. Puis voilà, c'est tout. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée.